Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera soroki ama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahirrahmanirrahim. Dans le courant de notre vie, on a l'habitude d'attendre très souvent le père dit à son fils: tu es très impoli, tu es mal éduqué, je vais te maudire. Le père dit à la femme: tu es une mauvaise femme, tu es très mal éduquée, tu ne respectes même pas ton mari, je vais te divorcer. Et l'aîné dit au cadet: tu es un petit, tu ne respectes pas les grandes personnes, et c'est très mauvais pour ton avenir. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez l'émission Ciel Nouveau. Ciel Nouveau est une émission qui a pour but d'éduquer la masse et la bonne pratique de leur religion. Aujourd'hui, la question que nous mettons en exergue, c'est la notion du respect dans la société et du point de vue de la religion. Alors, pour y parvenir à développer ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire la notion du respect, nous avons avec nous sur le plateau Mourabi Soro Alassane et M. Chérif Mamadou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue à vous. Merci. 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 Alors, le respect dans nos sociétés a un point de vue quand même un peu culturel et aussi religieux. Alors, comment est-ce que c'est quoi d'abord le respect, Mourabi, s'il vous plaît? Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Comme on dit en arabe, al-ihtiram, le respect. Si nous voyons dans les dictionnaires français, qu'est-ce que respect? On nous dit tout simplement, le respect, c'est considération qu'on apporte à une personne ou à une chose. D'accord. C'est ça le respect. D'accord. Monsieur Chérif Mamadou, le respect c'est quoi? Oui, je suis d'accord avec ce que le Mourabi vient de dire. D'accord. Le respect, ça vient d'abord du mot latin, d'accord, respectus. C'est un sentiment, une considération que l'on apporte à une chose, d'accord, ou à une personne, d'accord, jugée bonne. D'accord. Oui, c'est la définition étymologique qui est là. D'accord. Maintenant, abordant dans le sens culturel, d'accord, il faut dire que le respect aujourd'hui, d'accord, c'est un sujet qui est pertinent, d'accord, c'est un fait réel aujourd'hui. D'accord. Nous remarquons que le respect aujourd'hui, c'est effrité. D'accord. C'est effrité. Quand on regarde le comportement de nos enfants, d'accord, de nos jeunes gens, d'accord, voilà, comment les gens se comportent en société, d'accord, et le tableau est vraiment déplorable. D'accord. Voilà. Et quand on fait un constat de façon générale, oui, personnellement, on a tendance à croire que le respect, il est unilatéral, par ceux qui demandent à être respectés. Oui. On a toujours, c'est-à-dire une suprématie, c'est-à-dire des personnes des qui amis demandent toujours, oui, du respect aux plus faibles, oui, notamment le mari, oui, le père, le plus fort de façon musculaire, quoi. Oui. Voilà, qui demandent toujours le plus faible à être respecté. Effectivement. Voilà, donc de façon sociétale, oui, comment se manifeste le respect? Merci, M. Diaby. J'avoue que auparavant, d'accord, au temps de nos ancêtres et de nos parents, d'accord, le respect était pratiqué à tous les niveaux de la société. D'accord, c'est-à-dire nos parents, quand ils étaient enfants, ils respectaient les ancêtres, d'accord, leur père et mère. À tous les niveaux de la société, d'accord, le respect était observé. Les enfants étaient obligés à tous les niveaux de respecter les grandes personnes. D'accord. Et cela a créé un équilibre social. D'accord. Cela faisait qu'il n'y avait pas de désordre. D'accord. Le respect a participé à harmoniser la société. D'accord. S'il vous plaît, oui, à vous entendre dire, oui, dans la société traditionnelle africaine, dans la société traditionnelle, le respect, c'était le respect unilatéral. Oui, c'était unilatéral. D'accord. C'était unilatéral. D'accord. Et les enfants n'avaient pas le droit de désobéir. D'accord. À vous entendre parler, oui,
si le respect était unilatéral pardon, oui. dans la société traditionnelle, oui. est-ce que vous voulez dire que ce respect-là a changé de forme parce que vous avez mis ce fait-là au passé? Effectivement, j'ai mis ce fait au passé parce que dans le passé, d'accord. Le respect était observé à tous les niveaux. D'accord. Mais avec la modernisation, d'accord. les mutations, d'accord. la civilisation, la nouvelle civilisation que nous avons connue, d'accord. Les gens aujourd'hui, on parle en termes de droit. D'accord. J'ai droit à ça. Nous allons en venir. J'ai droit, nous ok, d'accord. Puisque déjà, vous avez dit que le respect, effectivement, un, est unilatéral dans la société traditionnelle oui. et que ce respect a changé de forme. Oui, effectivement. Alors, Mourabit Soro, c'est comment le respect se manifeste dans la religion? Alhamdulillah, vous voyez, en islam, le respect est réciproque. D'accord. Le respect n'est pas unilatéral. D'accord. Comme nous voyons dans nos traditions. D'accord. Les gens veulent qu'on les respecte toujours. D'accord. Pourtant, dans l'islam, ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis que ce n'est pas le cas? Tout ce que on doit entreprendre en islam, on doit regarder dans nos rétroviseurs le saint prophète d'islam, sallallahu alayhi wa sallam, comment il a montré le respect, d'accord. comment il a pratiqué et comment il a enseigné aux musulmans de pratiquer le respect. Justement, comment il a fait? Alors, nous voyons pourquoi j'ai dit le respect est réciproque. D'accord. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme M. Chérif vient de le dire, en Afrique, ou soit, c'est, tout le monde pense que l'enfant doit toujours respecter le vieux. Alors, nous voyons que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, souvent, quand il passait par les enfants, il s'arrêtait pour les saluer. Pas seulement ça, ça vient dans un hadith, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a bien précisé. Il dit, celui qui est sur une monture doit saluer celui qui marche. Alors, il n'a pas distingué que ce soit un vieux qui est sur une monture ou soit un enfant. D'accord. Et il dit, celui qui marche doit saluer celui qui est assis. D'accord. Et le plus petit doit saluer l'aîné quand il se croise. D'accord. Alors, nous voyons que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de mérite, d'accord. il a dit, celui qui salue premièrement, à son ami. Celui qui dit salam alaikum, le premier a dit salam alaikum rahmatullah, a plus de mérite. D'accord. Alors, quand nous rentrons dans le cadre des mérites, nous voyons que le plus grand a besoin des mérites. D'accord. Et le plus petit aussi a besoin des mérites. D'accord. Mourabit Soro Saheb, on en viendra tout de suite à vous. Monsieur Chérif, vous avez parlé tout à l'heure du respect dans la société traditionnelle. Effectivement. Comment est-ce que le respect c'est-à-dire se manifeste dans la société actuelles, dans les sociétés actuelles, puisque on varie d'une société à une autre. Effectivement, okay. effectivement. Dans l'actuelle société, quand on jette un regard social, c'est vraiment déplorable. Ah bon. Oui, les enfants ne respectent plus les grandes personnes. D'accord. Et même dans les foyers, aujourd'hui, le matérialisme a pris de l'ampleur. Ah d'accord. Donc, ce qui a fait que quand tu prends un enfant, il va dire j'ai droit à ça. D'accord. J'ai droit à ça. D'accord. Or, dans le passé, c'est le parent qui décidait ce que l'enfant devait faire. D'accord. Une fois le parent a décidé, l'enfant obéit tranquillement, d'accord. sans faire de bruit. D'accord. Et cela a harmonisé la chose. Mais aujourd'hui, l'enfant, avec la nouvelle civilisation, l'enfant a le droit de s'opposer. D'accord. Si quelque chose ne le sied pas, il a le droit de rejeter. D'accord. Et en rejetant, tu vas contre la décision du père. Donc, du coup, ça crée un sentiment de frustration au niveau du père. D'accord. Donc, de manière générale, nos parents, ils ont obéi à leur père, il n'y a pas eu de problème. Et à leur tour, ils voient que les enfants ne les respectent pas. D'accord. Donc, il y a un problème. D'accord. Mais est-ce que le fait que nos parents, oui. c'est-à-dire qui ont grandi dans l'obéissance oui. envers leurs parents ou envers les aînés, oui. est-ce que cela a contribué à une société émergente, c'est-à-dire une société aujourd'hui qu'on voit le droit qui s'impose peu à peu? Oui, effectivement, le droit qui s'impose, je pense que ce droit-là,
on devrait passer à une éducation. Une éducation. On devrait passer à une éducation. Une éducation de masse. Vous dites, c'est vrai, aujourd'hui, l'enfant peut s'opposer aux parents, l'enfant a ses droits, mais que cela se passe dans le respect des choses. D'accord. Voilà. Comment est-ce que cela peut se faire? Bon, l'enfant, il ne faudra pas qu'on oublie aussi que nous sommes dans le contexte africain. Oui, oui. Voilà, il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes africains. D'accord. Le droit aujourd'hui, le respect aujourd'hui en Europe est caractérisé par j'ai droit à ça, l'enfant a droit à telle chose. D'accord. L'enfant même peut s'opposer aux idées de ses parents. D'accord. L'enfant peut porter plainte. D'accord. Mais en Afrique, quand un enfant, tu vas attendre qu'un enfant a porté plainte d'accord. contre son père, c'est incompréhensible. Dans la mentalité africaine, c'est incompréhensible. Donc, dans notre culture, dans notre système d'éducation, c'est vrai que nous, enfants, on peut suggérer aux parents, d'accord. mais cela devait se faire dans le respect, voilà, tenir compte okay. de l'hiérarchisation okay. voilà, des parents. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais vous prendre un exemple pratique oui. en Afrique. C'est-à-dire souvent, les papas, ça, on a vu ça dans les sociétés, j'ai déjà dit en Afrique de toute façon, oui. c'est qu'en mangeant souvent, c'est-à-dire si on peut mettre peut-être quelques morceaux de viande sur le riz et que l'enfant n'a pas droit à manger, c'est-à-dire la viande, ok oui. C'est le père ou l'aîné qui mange la viande, ok oui. Alors qu'on a remarqué que c'est l'enfant qui a plus besoin de la viande par rapport au vieux. Oui, effectivement. Ça, c'est le domaine de la santé. L'enfant mmh. a plus besoin de protéines mmh. par rapport à une personne qui est âgée de plus de 40 ans, à partir de 35 à 40 ans. D'accord. Et ils doivent normalement manger de la viande blanche. Mais si nous abordons dans le sens que mmh. L'enfant a le droit de manger de la viande qui est sur le plat, mmh. mais je prends un exemple. Allez-y. On dépose un plat. Mmh. Il y a 10 aînés, 10, il y a 3 pères qui sont assis. Mmh. Et toi, ton enfant vient, on l'invite à rejoindre le plat. Mmh. Il vient, le premier coup, il prend le morceau de viande qui est en haut. Ah, c'est très mal. Comment vous allez juger ça? Oui, c'est impoli. C'est pas parce qu'il il doit manger plus de viande tout à fait. Que le premier coup, il doit toucher le morceau de viande. Tout à Donc, fait. Je pense qu'en Afrique, il y a des paramètres qu'il faut faire très attention. Okay. Voilà. C'est pas parce que l'enfant a droit à tout. Okay. qu'il est permis de faire tout ce qu'il veut. D'accord. Je pense qu'il faut mettre des garde-fous, okay. des barrières. Okay. Je pense que dans ce genre de contexte, oui. il est préférable d'éduquer l'enfant à ne pas toucher la viande lorsqu'il mange avec des grandes personnes. Des personnes âgées, oui. Il ne faudrait pas qu'il touche la viande sans que les grandes personnes ne l'ont pas encore fait. Effectivement. Monsieur Diaby, j'avoue que qu'est-ce que le respect? D'accord. Allez-y. On peut dire le réel respect, c'est de donner le droit de tout un chacun. D'accord, le droit de tout un chacun. Nous voyons que en Afrique, mm-hmm. on essaie de cultiver. Mm-hmm. Cultiver aux enfants complexe infériorité. Mm-hmm. Une complète infériorité. L'infériorité. Mm-hmm. Ils n'ont pas le droit de suggérer. Mm-hmm. Et ils n'ont pas le droit de faire des choses. De prendre des initiatives, justement. Oui, vas-y. Ah oui. Alors, vous voyez, en islam, quand on dit le respect, mm-hmm. c'est le réciproque. C'est de donner le droit de tout un chacun. Okay. Alors, si les vieux savent très bien que, ou les aînés savent très bien que, la viande est très bonne pour les enfants, pourquoi ne pas les donner de la viande, s'il y a les moyens? D'accord. Mais en Afrique, si nous sommes là pour manger, okay. tout enfant sait que la viande qui est là, je n'ai pas le droit à ça. D'accord. Sauf que si je suis donné. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Mmh. Alors, pour en venir, d'accord. c'est pour dire, en islam, le vrai respect, c'est de donner le droit de tout un chacun. D'accord. Monsieur Chérif a parlé tout à l'heure d'une éducation de masse. Mmh. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Oui, par l'éducation de masse, oui. mais ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà une éducation. Ouais, les parents qui vont regarder l'émission, mmh. ils vont savoir que désormais, les enfants ont droit à ce de viande par rapport aux personnes âgées. D'accord. Donc, à ce niveau, je dis que
Le respect aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit s'enseigner. D'accord. Je ne sais pas comment je vais caricaturer cela, mais à travers les sermons dans les mosquées, à travers aussi les tournées de nos missionnaires, et je pense qu'il faut beaucoup parler de ces choses-là. Le respect. Sinon, aujourd'hui, quand on regarde la société, sincèrement dit, les enfants ne respectent pas les grandes personnes. Même dans les bacas, tu l'avais déjà dit, dans les bacas, les apprentis habillants, ça se voit. Okay. Les apprentis n'ont plus de respect pour des passagers, même que ce soit une grande personne, ils n'ont pas de respect pour ces personnes-là. Je vais prendre des cas pratiques. Oui. Voilà. Un monsieur qui vient, par exemple, il voit un enfant assis sur une chaise ou bien dans le bus, parce que ça s'est fait vu le nombre limité des places. Et quand tu te retrouves dans un bus et qu'il y a un monsieur, ou bien il est juste adulte, voilà, il vient et puis tu vois assis, il dit, après une longue distance, il est fatigué, ou bien le bus le balance des pas à d'autres, il dit à son aîné, les enfants d'aujourd'hui, ils ne respectent pas les gens. Ils voient les vieux arrêter, mais quand même, ils ne se lèvent pas pour leur donner de la place. Est-ce que, ici, d'un point de vue religieux, est-ce que c'est conciliable avec l'esprit religieux? Oui. Rabbi, s'il vous plaît. Ok. Voyez-vous, un enfant doit respecter son aîné. D'accord. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Badjilul Mashaikh » « Respectez vos aînés ». D'accord. Mais ça ne doit pas venir de l'aîné forcé. D'accord. Le plus petit, de respecter, ça devient une force. Ça devient, il impose le respect. D'accord. On ne doit pas imposer le respect. Comme l'a dit M. Sherif, on doit éduquer le respect. D'accord, éduquer le respect. Ça, c'est une très bonne chose. Je voulais ajouter quelque chose à ce que Moïse vient de dire. Oui. Il veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'obligation morale. D'accord. L'obligation morale, je reviens à l'exemple que tu as énoncé. D'accord. Je suis dans le bus et une personne âgée rentre. L'obligation morale me dit de lui céder la place. Tout à fait. Dans le bus, une personne en situation de handicap monte dans le bus, l'obligation morale me dit, je dois lui céder la place. Dans le bus, une femme enceinte monte, l'obligation morale me dit, je dois lui céder la place. Je peux lui céder la place? Non seulement, vous voyez que moralement, elle sera touchée et ce sera une leçon. Ce qu'on enseigne par le comportement reste plus par rapport à la parole. Okay. Mieux vaut éduquer les gens par le comportement. D'accord. Donc, excusez-moi, vous qui êtes caïd, par exemple, du district d'Abidjan, est-ce que vous organisez des séances pour pouvoir éduquer les ATFAL? Oui, pour ce qui est de ATFAL class. Ah, aujourd'hui, nous le faisons, même le mois passé, nous venons de finir l'ATFAL class. D'accord. Et l'année passée aussi, on a fait des ATFAL class. D'accord. On fait ATFAL class. D'accord. On fait 3 ATFAL class à Abidjan. D'accord. On fait ATFAL class à Djamé, okay. ATFAL class à Bobo, okay. Et ATFAL class Mali Abad Yopougon. Okay. Pendant ces séances, nous enseignons les valeurs à nos petits frères. D'accord. Nous enseignons le sens même du respect. D'accord. Nous enseignons comment il faut obéir aux parents à la maison. Okay. Les encourager à être des amis à leurs enfants. C'est ce qu'il disait souvent. Il dit, pour mieux éduquer un enfant, la chicotte n'est pas la solution. Tout à fait. Apprenez à être des amis à vos enfants. D'accord. Pour mieux éduquer ton enfant, okay. Et pour que ton enfant soit ton ami. Si d'accord. Ton enfant est ton ami, il va te dire tout. Tout il va te dire tout. Et ton enfant, il doit être ton confident. Je te prends un exemple. Un jour, il y a une femme que je connais très bien. D'accord. Elle m'a dit que le jour où les enfants vont attendre au salon le bruit de mon mari et moi en train de nous chamailler dans la chambre, ce sera le divorce. Le jour où leur problème va arriver au salon, ce sera le divorce. Pour dire, les deux familles, monsieur et madame, ont compris que se chamailler devant les enfants, faire parler devant les enfants, ils enseignent que vous aussi, dans votre foyer, faites parler avec vos enfants. Il y a Montesquieu qui dit dans Lettres à personne, d'accord. Qui dit, voler n'est pas le problème. Mais vous donnez l'exemple de vol, et dit, le péché là, ce n'est pas le fait que tu as volé. D'accord. Mais en volant, tu enseignes les gens à voler. C'est ça le péché. Effectivement. Donc, donner l'exemple, ça compte beaucoup. Ok.
vu l'implication de la communauté islamique Ahmadiyya dans l'éducation des enfants, tel que, à travers les programmes tels que vous venez de dire, Atfal Class, et puis Kudam Class, et puis Tarbiya Class, oui, effectivement. Et régionaux aussi. Effectivement. Et puis, comment on appelle, le soutien scolaire apporté aussi aux enfants. Parce que le calife a dit que, c'est le deuxième calife, je crois, qui a dit que la réforme d'une nation ne peut se faire sans la réforme de la jeunesse. C'est un slogan qui inclut tout. Donc, Mawlvi Soro Saïd, comment est-ce que vous, sur le terrain, vous appréhendez la notion, vous pratiquez la notion de l'éducation? Comme Chérif ça vient de le dire, nous enseignons d'abord aux enfants le respect. Et nous le disons que respectez vos parents, respectez les aînés. Et dans les classes des aînés, on les enseigne. Le respect n'est pas seulement fait pour les enfants. D'accord. Le respect aussi est fait pour les vieux. Comme j'ai bien dit, le respect n'est pas unilatéral comme prétend certaines personnes. D'accord. C'est pas unilatéral. D'accord. Alors, si on enseigne aux enfants le respect, on doit enseigner aux vieux, aux aînés, le respect. D'accord. Donc, sur le terrain, nous faisons tous les deux classes. D'accord. Nous enseignons aux vieux et aux enfants le respect. D'accord. Comme le respect en Afrique est mal compris. D'accord. Il y a d'autres qui pensent que le respect n'est pas fait pour eux. Et il doit être respecté. D'accord. Par exemple, les savants, oui, les imams. Oui. Pourtant, ils doivent être l'exemple pour les fidèles. D'accord. Il doit d'abord montrer le respect D'accord. aux fidèles. Ils doivent d'abord enseigner aux fidèles le respect. Okay. Comme le dit le Coran, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Tous les bons exemples de la vie se trouvent dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est ça que j'ai bien dit au commencement. Il dit, en tant que musulman, avant d'entreprendre quelque chose, avant de faire quelque chose, D'accord. que ce soit religieux ou mondain, regardons un peu dans nos rétroviseurs, vois l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de faire quoi que ce soit. D'accord. Et c'est comme ça que nous allons obtenir le plaisir de Dieu. Alors, en même temps, je vais vous demander un mot de fin, puisque l'émission tire vers sa fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est que je voulais dire. Oui. Juste, est-ce que le respect que nous venons de discuter a une limite? Le respect et l'obéissance, est-ce qu'il y a une limite à l'obéissance? Par exemple, tu as fait tes ablutions, tu vas prier. Ton papa t'appelle, viens, je vais t'envoyer à la boutique. Et tu dis, non papa, j'ai déjà fait l'ablution, je ne peux pas aller à la boutique. Mm-hmm. On dit que non, ce n'est pas les enseignements islamiques. D'accord. Maintenant, si ton papa te dit oui, abandonne la religion musulmane. D'accord. Abandonne ta religion. Là, dans ce cas, il n'y a pas d'obéissance. D'accord. Dieu dit, « Wa in jahadaka ala antushirka bima alisa laka bihi ilm, fala tuti ehuma. » Si les parents te demandent de faire quelque chose contrairement, à l'enseignement islamique, associer quelque chose à Dieu, vous n'avez aucun droit de le faire. Parce que nous sommes créés pour adorer Dieu. Alors, les parents nous demandent maintenant d'abandonner, comment vous appelez ça, non pratique religieuse. Okay. On n'a pas le droit de le faire. Ok, merci bien. Monsieur Chérif, rapidement. Ok, merci bien. C'est ce que, comme dans votre place de temps, d'accord. donc je conclue pour dire que il faut passer par une éducation de masse. D'accord. L'éducation de masse, il faut aussi éduquer les parents, D'accord. tant bien que les enfants. Okay. Et faisons en sorte que nous soyons des amis à nos enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris, les jeunes cadres, okay. beaucoup de jeunes cadres ont compris, les jeunes se forment aujourd'hui. Okay. Et dans leur formation, dans des cabinets ou autres, on met l'accent sur le respect. Même des entreprises D'accord. ont initié la notion de la RSE. D'accord, la RSE, qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire, quel est le droit de l'entreprise D'accord. à l'endroit des voisins, ceux qui vivent à côté de l'entreprise. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'il y ait l'harmonie, la cohésion sociale D'accord. entre
les riverains et l'entreprise. Okay. Voilà. Merci bien à vous. Merci bien. Merci bien d'avoir intervenu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, il est nécessaire que vous appreniez à communiquer avec vos épouses, à communiquer avec vos enfants, à communiquer avec vos petits frères. Merci, Jazakallah à vous. Et salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh pour un prochain numéro de Ciel Nouveau. El khair el baraya ikramu kadanane shokere khair el baraya ikramu kadanane anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa anahera soro kiyama shokere khair el baraya ikramu